Bonjour. Cours de français, 5e AP, livre de lecture, 2e génération, page 15. La gazelle. Kadour regarde la gazelle. Elle est là, debout, devant le ruisseau, superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail. Et bientôt, toutes les pattes. Puis, la bête, c'est l'animal, synonyme de animal. Regarde fixement, Kadour. Fixement veut dire bien, Kadour. Elle commence à s'agiter, à bouger. À s'agiter, c'est... Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. Je relis le texte une autre fois. Kadour. Kadour ici, c'est un prénom d'un garçon. Regarde la gazelle. Regarde la gazelle. Elle est là, debout. Waqifa, debout. Devant le ruisseau. Superbe. Et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail. Et bientôt, toutes les pattes. Puis, la bête, l'animal, la gazelle ici, regarde fixement. Fixement, on peut dire bien. Kadour. Kadour, c'est l'enfant. L'enfant qui regarde la gazelle s'appelle Kadour. Elle, la gazelle, commence à s'agiter. Elle commence à bouger, à faire des réactions. Ses pattes tremblent, tartajif. Elle frissonne. Enfin, il, ici, Kadour. Il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. يعني لمتعو خائفة منه. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. Lis le texte, puis écris la phrase qui correspond à l'image. Où la gazelle est-elle debout? Où la gazelle est-elle debout? C'est une question. Ici, il y a deux réponses proposées. La gazelle est debout devant le buisson. La gazelle est debout devant le ruisseau. On regarde l'image. Alors, la gazelle
est debout devant le ruisseau. Devant le ruisseau. Donc ici, la réponse juste, c'est la deuxième. La deuxième. La gazelle est debout devant le ruisseau. 2. Relis le texte, puis recopie la bonne réponse. Comment est la gazelle? Superbe, surprenante et vivante. Superbe et vivante. Alors, on revient au texte. Elle est là, debout, devant le ruisseau. Superbe et vivante. Alors, la réponse juste, c'est la deuxième. Superbe et vivante. La troisième. Bon, trois. Avec ta ou ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. Alors, la gazelle se mouille le se mouille le front. La gazelle se mouille le front. La gazelle se mouille le front. On revient au... Alors, elle se mouille le museau, le front. Il est là, dans le texte. Deuxième. La gazelle se mouille. Les pattes. La gazelle se mouille les pattes. Les pattes. Trois. La gazelle se mouille. Le poitrail. Le poitrail. Et la dernière. La gazelle se mouille. Le museau. La gazelle se mouille le museau. Voilà. Quatrième question. Pourquoi la bête c'est la gazelle. D'accord. La bête c'est synonyme de animal. Regarde-t-elle Kadour fixement? Pourquoi la bête regarde-t-elle Kadour fixement? La réponse. La gazelle regarde Kadour fixement car ou parce que elle a peur de lui. Elle a peur de lui. Hiya khaifa min. La deuxième, que fait
Tel. Mada tafal. Que fait-elle? Alors, que fait-elle? La réponse, c'est elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Tartajif. Elle frissonne. Cinq. Qui caresse la gazelle? Qui caresse la gazelle? La réponse, c'est Kadour qui caresse la gazelle. C'est Kadour qui caresse la gazelle. Dans le texte ici, il y a il. Enfin, il caresse la gazelle. Alors, il ici remplace Kadour. C'est un pronom personnel. Mais on parle toujours de Kadour. Donc, c'est Kadour qui caresse la gazelle. 6. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. Le texte raconte l'histoire de la gazelle. النص يحكي حكاية الغزالة. La deuxième, le texte décrit la gazelle. النص يصف الغزالة. Alors, le texte, la réponse juste c'est le texte décrit la gazelle. Le texte décrit la gazelle. 7. Relis le texte, puis en deux phrases, présente la gazelle. Présente la gazelle à tes camarades. Tu peux faire un dessin. Alors, la gazelle est un animal sauvage, mammifère. Il se nourrit d'herbes. La gazelle est un animal sauvage, mammifère, il se nourrit d'herbes. الغزالة هي حيوان بري حيوان ولود يتغذى من الأعشاب. Merci.